Je donne la parole à Madame Georgelle, maire du 5e arrondissement, pour sa question. Qu'ils soient domestiques, sauvages, protégés ou non, ou liminaires, les animaux vivent avec nous sur le territoire de la ville de Lyon. Leur prise en compte est donc essentielle pour penser l'écologie en milieu urbain et le dialogue entre êtres vivants, qu'ils soient humains, végétaux ou animaux. Les attentes de nos concitoyens, particuliers ou associations, sont nombreuses et parfois contradictoires. Et en décentrant notre perspective anthropocentrée, les besoins des animaux sont également prégnants, alors que le climat et la biodiversité se dérèglent à une vitesse vertigineuse. Dans ce contexte, quelles actions concrètes seront mises en œuvre prochainement par la ville de Lyon pour favoriser la prise en compte et l'intégration des animaux en ville? Je vous remercie. Merci, Madame Georgelle. Pour vous répondre, Monsieur Chapuis, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Madame la maire, je vous remercie pour cette question qui montre une fois de plus que le regard que nous portons aux animaux change considérablement. Pour preuve, l'évolution du Code civil qui reconnaît depuis 2015 les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Et je sais toute l'exigence des Lyonnaises et des Lyonnais en faveur d'une politique ambitieuse pour le bien-être animal, pour la condition animale. Vous l'avez dit, Madame la maire, les animaux partagent notre ville avec nous et font partie de nos vies quotidiennes. Et nous devons aujourd'hui mener des politiques qui s'intègrent dans cet objectif d'harmonie et de bien-être animal. Avant tout, j'aimerais revenir sur plusieurs actions qui ont été menées depuis le début du mandat. Je pense notamment à l'arrêt du gazage des pigeons, de l'inscription de la définition du bien-être animal dans les cahiers des charges, notamment de la restauration scolaire, ainsi que celle de la fin de l'élevage intensif au sein du SPASER, schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Toutes ces actions participent à une plus grande considération du bien-être animal. C'est également en ce sens que nous positionnons, nous écologistes, contre la corrida, la chasse à courre et la pêche au vif, et que nous avons déclaré notre souhait de l'arrêt des cirques avec animaux. Et je suis à ce titre très heureux de vous annoncer l'arrivée de l'éco-cirque 100% humain à partir du 18 mars prochain à Lyon. Enfin, c'est avec fierté que je peux vous dire que la plupart des arrondissements sont dotés d'un adjoint ou d'une adjointe qui porte la délégation conditions animales afin de travailler en proximité sur ce sujet. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, que la fête des animaux a vu le jour en mairie du 3e et du 8e arrondissement, avec l'appui de la métropole, pour sensibiliser le grand public sur la condition animale en présence des associations animalistes locales ou nationales. Mais aujourd'hui, nous souhaitons aller beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle, à l'automne dernier, nous avons pu rassembler plus d'une quinzaine d'associations animalistes et naturalistes afin de co-construire une feuille de route 2023-2026 destinée à mettre en œuvre des actions concrètes pour une ville accueillante et exemplaire pour les animaux domestiques, sauvages et liminaires. Le plan d'action donc piloté par la ville se compose de 4 axes principaux. La place des animaux domestiques dans la ville, la cohabitation et le respect des animaux liminaires, la cohabitation et notre volonté de favoriser la faune sauvage en ville avec donc plutôt une approche biodiversitaire, et enfin les animaux captifs en ville. Sans vous donner l'intégralité du contenu, voici plusieurs actions concrètes de cette feuille de route. Lutter contre l'errance féline en menant une campagne de stérilisation ambitieuse des chats avec l'aide de nos partenaires associatifs sur le terrain et accompagner cette campagne d'action, de sensibilisation et d'information du grand public. Agir sur les habitats en diversifiant les milieux à toutes les échelles, à travers la ville et au-delà, pour accueillir plus de biodiversité, comme les pollinisateurs par exemple. Mener des actions de sensibilisation et de médiation auprès de tous les publics, et notamment les scolaires.
Toutes ces actions seront présentées au printemps et en détail, et je ne manquerai pas, Madame la maire, mes chers collègues, de vous y convier. Ces actions doivent permettre de placer notre ville de Lyon comme une cité référente en la matière. J'aimerais finir par vous dire, Madame la maire, mes chers collègues, qu'agir en faveur des animaux pour leur santé, c'est aussi agir pour nous, dans un cadre de santé globale, humaine et environnementale, sur lequel je sais compter sur toute l'énergie de ma collègue Céline Delorence. Agir pour les animaux, donc, c'est nous rendre plus humains. Je vous remercie.